Ça me fait plaisir parce que c'est comme ça que j'ai découvert l'olympisme. C'est via une intervention dans mon collège quand j'étais toute petite. Au retour des Jeux de 2004, Faustine Méret était venue nous montrer sa médaille d'or. Donc pour moi, c'est important de pouvoir rendre l'appareil maintenant. Et puis ça permet aussi de promouvoir mon sport, de le faire connaître parce qu'on est quand même un sport qui n'est pas très médiatisé. Ça nous permet de voir un peu le monde de la voile, puisque souvent, dans notre filière, on voit que les moteurs, les gros bateaux, les choses comme ça. Et puis, on ne voit pas souvent beaucoup de la voile spécialement. On ne voit pas vraiment l'aspect navigation, stratégie, technique du bateau en lui-même. Donc franchement, c'était intéressant de voir ce côté-là aussi. Je trouve que la région s'intéresse à nous. Et amener une championne ici au lycée, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça motive. Effectivement, une rencontre d'un sportif de haut niveau est vraiment là pour pouvoir aiguiller, donner de l'ambition, apporter de l'humilité. Super initiative de la région et des écoles. Tout le monde a l'air assez motivé dans les deux sens. C'est vrai que pouvoir parler d'olympisme et de paralympisme à des élèves, je pense que ça a du sens. C'est eux nos champions de demain et il faut leur montrer qu'en travaillant et en croyant à ses rêves, on peut y arriver. C'est assez inspirant, je pense, des deux côtés. Pour moi aussi, c'est toujours des bons moments de pouvoir partager mon expérience avec des jeunes. Pour les petits renards. Pour les petits renards, ouais. C'est qui les petits renards? C'est nous. Oh, c'est mignon.